Nous savons tous, as we all know, depuis hier, since yesterday, nous avons entamé we started un moment de jeûne de prière, a moment of fasting and prayer, qui a pour thème that has le zèle de ta maison me dévore. Zeal for your house consume. Le zèle de ta maison me dévore. Zeal for your house consume. Et hier nous avons été enseignés. We were taught. Nous avons été édifiés hier par la prédication que nous avons entendue. Et aujourd'hui, and today, nous allons encore entrer en profondeur enter in deepness et creuser encore dans le thème enter in deepness in the pour theme, comprendre beaucoup de to choses. Understand many things. Nous allons encore sortir quelques leçons put out some lessons qui sont indispensables pour le jeûne available for the fasting et qui sont indispensables pour ce moment to this moment précis que nous traversons, this precise moment ce we are moment going que through, l'Église est en train de traverser. The church is going through. Alléluia. Amen. Nous devons savoir we should know, quand nous lisons le passage, le texte passage, de base, the basic, dans Jean 2, 13 à 19, in John 2, verse que le Seigneur a suscité ce moment that de réveil take this moment of revival et a donné ce thème and gives this theme parce qu'il veut régler un problème au sein to solve de son peuple. In his people. Et ce moment arrive and this moment comes parce que le Seigneur a vu quelque chose saw something qu'il veut corriger that he want to correct ou a vu quelque chose qui manque saw something that à son peuple et qu'il va ajouter. He will add. Ou encore le Seigneur the Lord décide par ses serviteurs his servant d'élever encore le niveau spirituel the spiritual level de son peuple. Of his people. Alléluia. Amen. Et le texte de base dans and Jean 2, 13 basic test in John 2, verse 13 à 19 nous révèle d'abord la situation du temple de Jérusalem. Of Jerusalem temple. Les réalités the reality dans le temple, in the temple de Jérusalem. Of Jerusalem. Et en ce moment, and in this moment, il y avait le désordre there total, were total disorder en Israël, in Israel, dans le temple. In the temple. Et la voix de Dieu était éteinte. And the voice of God were switched off. Et on avait laissé la place, and they let place aux vendeurs de bœufs, aux vendeurs de brebis, aux changeurs de monnaie, of dove, to money qui ont fait du temple de Dieu, who made qui ont fait de la God, maison de Dieu house, un lieu de commerce. A trading place. Or, cela ne doit pas exister that en réalité. Not exist in reality. La maison de Dieu est une God maison sainte. Is a saint house. Est une maison qui doit être gardée dans la pureté. Keep in purity. Et aussi, and une also, maison qui doit être a house that conservée. Be conserved dans la crainte. In fear. Parce qu'en honorant la maison because de Dieu, when honoring nous sommes God's en train house, d'honorer Dieu lui-même. We are honoring God himself. Mais celui qui méprise la but maison the one de Dieu who despise God's house, méprise Dieu despise God, et se condamne lui-même. And condemn himself. Nous avons vu we saw dans l'histoire in the history, comment Jésus how Jesus face à ce désordre face of that disorder dans le temple, in the temple et ayant reçu mission, and received mission de changer les choses to change things, nous avons vu sa réaction. We saw his reaction. Nous avons vu qu'il we a été animé d'une that colère. He was animated with et anger. Par cette colère and through that anger, il a chassé les vendeurs sailor, de brebis, of cattle, les vendeurs de bœufs, of sheep, les vendeurs de pigeons, of doves, et aussi les semeurs de troubles, those who see ceux trouble, qui ont apporté la distraction au sein de son église. In his house. Par cette colère, through this anger, il les a chassés du lieu. Them from the place. Il les a chassés he du chased temple. Them from the temple. Alléluia. Amen. Tout ce que
Jean 2, 13 à 19, John 2, verse 13 to 19 nous dit tell us, est un enseignement is a teaching, et a un but précis. And has a precise goal. C'est un enseignement qui it doit être adapté à l'état actuel de l'Église. Adapted to de l'Église de Dieu dans le monde. Of the Church of God in the world. Et aussi particulièrement de des églises Jésus revient to the churches, à travers Jésus le monde entier. Through all the world. Alléluia. Amen. Je veux que nous relisons encore I want us to read again le test the passage, de base dans Jean 2, 13 à 19. In John 2, verse 13 to 19. Jean parce 2, que nous allons travailler beaucoup sur ce bout de verset. On this passage. Alléluia. Jean 2, le verset 13 à 19. Mm-hmm. Je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. La Pâque des Juifs était proche. Mm-hmm. Et Jésus monta à Jérusalem. Mm-hmm. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Oui. Et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Oui. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je les releverai. Alléluia. Amen. Nous voyons dans le thème. We can see in the theme. D'abord deux éléments très importants. First two important elements. Le thème est tiré. The theme is taken. Dans le verset 17. From the verse 17. Le zèle de ta maison zeal me dévore. Your house consume mais il y avait déjà toute une histoire there was all an history qui pousse cette conclusion. That pushed to this et c'est conclusion. À base de cette histoire it is on the base of this history que les disciples ont conclu qu'il était écrit that it is que le zèle de la maison de l'Éternel the house of the Lord nous dévorait consume us et doit dévorer and should consume. Et c'était déjà une parole prononcée par David, pronounced by David qui était face à des multitudes de personnes qui étaient contre l'Éternel et qui étaient aussi contre lui son oint. Et en ce moment, il adressait des complaints moment, à l'Éternel. Il se fortifiait par ses paroles. Et c'est là qu'il a prononcé cette parole qui est le zèle de ta maison me dévore. Nous voyons d'abord le terme zèle. The theme et la maison and le zèle et la maison the zeal and the house. Et aussi dévorer and consume. Nous avons le zèle zeal. La maison house et le verbe and dévorer the verb consume. Le zèle ici représente zeal here represents l'engouement represents l'ardeur. Le zèle ici représente le feu qui est caché en nous. The fire hiding in us. Le feu qui brûle the dans notre corps, qui brûle burning dans nous. In our body. Le zèle ici représente zeal le dévouement. The development représente la ferveur, la fougue que nous avons en nous. The madness we have in us. Donc quand on dit que le zèle so de ta maison me dévore, zeal for your house consume me, on est en train de parler du about feu qui doit brûler chaque croyant burn in each lorsqu'il s'approche de la maison du Seigneur God's house, ou lorsqu'il met la maison du Seigneur dans son état, the house of l'état the Lord in its que state. Dieu lui-même said, veut voir sa maison, want to see l'état his dans house. Lequel Dieu lui-même the veut voir sa maison, God want to see his house. Celui qui l'applique, celui qui l'obéit et celui qui garde la maison de Dieu dans l'état initial, dans l'état selon la volonté de Dieu, est en train de montrer un zèle pur.
Nous avons plusieurs types de zèle. You have many kinds of zeal. Il y a le zèle pur. You have pure zeal. Il y a le zèle impur. You have impure zeal. Il y a aussi le zèle amer. The bitter zeal. Certains ont un zèle amer, some have mais certains ont un zèle pur. Some have pure zeal. Mais ici, Dieu nous appelle à avoir tous un zèle pur. A pure zeal. Et c'est par le zèle pur pure que nous pouvons vraiment faire l'œuvre que le Seigneur Jésus nous a confié. The Lord Jesus give us. Le zèle se traduit aussi par le courage. Means also courage. Ce sont les courageux qui manifestent zèle. Nous n'avons pas reçu un esprit we de timidité. A spirit of timidity. Nous avons reçu un esprit de force. A spirit of power. Un esprit d'autorité. A spirit of authority. Et c'est par cet esprit que nous jugeons ce qui doit être jugé. That we judge that que nous condamnons be. Ce qui doit être we condamné. What that should be. Et que nous savons ce qui est de and la lumière et ce qui est aussi des ténèbres. And what is for et cet esprit que nous avons reçu est un esprit qui produit en nous le zèle. Us the zeal. C'est un esprit qui nous pousse vers la maison de Dieu. C'est un esprit qui nous pousse à garder propre la maison de Dieu. Clean God's house. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du zèle, nous when voyons aussi l'enthousiasme. We also see c'est-à-dire, on veut tellement faire. We are sitting. We want on to a do la volonté we have the will de s'approcher de to lui. Approach him. On a la volonté we have the will de faire valoir ce qu'il a mis en nous. To make valuable what he put on a la us. Volonté de we le servir selon sa volonté. According his will. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et quand on dit que le zèle de la maison de Dieu zeal for God's house dévore, conserve, cela veut dire que le zèle, le feu, fire, engloutit, swallow, celui qui a le zèle de la maison de Dieu, zeal for God's house, qui le dévore, that cela voudra dire qu'il ne travaille plus selon lui-même. He work not il ne marche plus himself. Selon lui-même, he work not mais il se laisse totalement absorber par ce zèle by that zeal, au point que ses propres intérêts ne lui comptent même plus. That his own interests count not. Il se laisse tellement emporter par ce zèle be driven by that zeal, qu'il garde toujours les yeux fixés sur les intérêts de la maison de Dieu. Fixed on the interests of God's house. Celui qui a le zèle the one who has zeal de la maison de Dieu of God's house et qui se laisse dévorer and par ce zèle to be consumed by that zeal est quelqu'un en réalité is somebody in reality qui manifeste that manifests le feu qui est caché fire en lui. Hiding in him. Je viens de dire que le zèle said that zeal manifeste la faveur, manifeste la foule. Manifest madness. Parfois, on a tendance sometimes à croire que c'est de l'agressivité. It is a tweeting. Mais ce n'est pas de l'agressivité. It's not a tweeting. C'est un zèle pur it is a pure zeal qui nous sort de notre zone de faiblesse. From the shade of our weakness. C'est un zèle qui n'est pas naturel. That is not natural. C'est un zèle spirituel et à la fois surnaturel que Dieu lui-même produit en nous God produces in us. Et qui nous amène à faire des choses to do things que la chair ne peut that jamais faire, can never do. Qui nous amène à faire des choses that bring us que l'homme dans son état d'homme ne peut jamais accomplir. Can never fulfill. Et c'est pourquoi reason why, quand les disciples ont vu saw ce que Jésus avait fait, what Jesus has done, il se souvient de cette parole de l'Écriture. This word of the scripture. Cette parole dans this Psaume word in Psalm 69, le verset 10, 69, qui verse 10, dit, le zèle de ta maison me dévore. Me. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Fall on me. Alléluia. Amen. Ce zèle this zeal, que Dieu produit en nous, God produces in us, qui est un feu qui brûle en nous, that is a fire burning ne in doit us, jamais rester conservé stay en nous. Conserved in c'est us. Un feu qui it arrive is a fire à that maturité. To Dieu produit maturity, le feu. Et nous avons le God feu. Produces the fire et arrivé à l'explosion, and when it explodes, le feu s'explose. The fire explodes. Et ce feu en nous
And that fire in us, qui a pour volonté that has, as we, de rester droit to stay straight dans la volonté du Seigneur, in God's will, dans la parole du Seigneur, in the word of God, vient maintenant pour aller contre come now to tout oppresseur de la volonté ou de la parole de Dieu. The will of the word of God. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David dit, ceux qui t'insultent, those who insult you, leur outrage, injured, leur opprobre, shame, tombe sur moi. Fall on me. Parce que je porte en toi because le zèle de ta I maison. Keep in you zeal for your house. Parce que j'ai le zèle de ta because maison. I have zeal for your house. Tous tes ennemis deviennent all mes ennemis. Enemies becomes my enemies. Tous ceux qui se lèvent contre all le royaume, raise against the kingdom, ceux qui se lèvent contre la all maison, who raise against dont the le house zèle me dévore, for the zeal sont aussi mes ennemis. Are also my enemies. Et parce que le zèle dévore en and moi, zeal je ne dois me, pas me laisser faire. I won't let myself, et je ne dois pas laisser I won't let ces outrageux those entrer dans la maison enter in the house et détruire and la maison. The house. Donc nous devons comprendre par là so we should understand que le Seigneur appelle d'abord tous les croyants, first, all believers, appelle tous ses serviteurs all his servants, et appelle aussi son Église all his à manifester le zèle manifest pur. The pure zeal. Ce zèle a d'abord zeal has first pour but de manifester goal to manifest le feu de Dieu qui fire brûle of God that is dans chaque croyant, in each believer, manifester la foule manifest de Dieu, madness of God, mais aussi and also prendre pour outrage take, insult, ce que les, ceux qui sont ce que les outrageux font contre Dieu, do ce que les outrageux insult, font contre la parole de Dieu, do prend word cela of God, comme son propre outrage as its own, et subit, accepter, subir ces outrages-là. Mais surtout, ne pas laisser ces outrages, ne pas laisser ces choses entrer dans la maison. Enter the house. Cela voudra dire que le zèle que nous manifestons manifest nous amène bring us non seulement not only à restaurer to restore, ou bien à veiller à ce que la maison de Dieu soit gardée toujours dans la vérité, in truth, mais aussi à repousser to push far. Tous ceux qui tentent à renverser all le fondement those who tempt to reverse ou à salir la maison de Dieu or to make ou à sortir la maison de Dieu dans de la vérité. Or to put out God's house from the truth. Alléluia. Et amen. C'est là les disciples voyaient que Jésus en réalité saw that Jesus, parce qu'il était fils de Dieu he was son of et God, il travaillait pour les intérêts he was du royaume working for interest of the kingdom, se voyait dans l'obligation seen in obligation, de combattre tout cela to fight all those, de combattre toute personne to fight any person qui se lève that raise, et qui ne veut pas and want l'avancement du royaume the kingdom qui to ne go veut pas forwards. L'ordre dans la maison de Dieu, mais qui veut toujours détruire la maison de Dieu. Donc chacun de vous doit laisser brûler ce feu-là en lui. Le feu qui nous amène a dit non au désordre dans le temple. To disorder in the temple. A dit non au désordre dans la maison de Dieu. In God's house. Et a montré maintenant le and modèle parfait the perfect pattern de cette maison. Of this house. L'image réelle que doit porter the cette real maison. Image that house should be. Et c'est pourquoi Jésus, reason why Jesus, quand il a fini de chasser when he finished les vendeurs de pigeons, de brebis, de bœufs, les changeurs de monnaie et toutes ces gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il ramène cette parole qui dit « Ma maison est une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous en faites une maison de trafic. Or, le trafic, c'est le commerce. Trade, yes, is et les trafiquants and those who are adoptent aussi plusieurs stratégies adopt many ways de malice, of malice, de vol, of de manipulation, of manipulation, de séduction, of seduction dans le trafic. In their donc trading. Dieu ne veut pas que so ces God choses want not se nomment au sein de son église. Named in his church means. Et en ce moment, il y avait la distraction. In this moment, there was distraction. En ce moment, il y avait in comme moment, un sommeil, like mais aussi une distraction. Also a distraction. Il y avait un sommeil there au niveau des sacrificateurs in the price means que Dieu avait placé dans that la maison God placed in the house, qui devait veiller sur who cette maison. Watch on the house.
Même si la période était la période even de Pâques, the period was a Passover et que period, plusieurs venaient and many came avec leur sacrifice, with their sacrifices, ces sacrificateurs qui savaient que la maison de Dieu n'était pas faite pour le trafic is not for trading, ne devaient pas dormir. Ils doivent rester en they éveil pour corriger cela. Eux, ils dormaient, they were sleeping, mais le peuple était dans la discrétion. Et le Seigneur, voyant cela, a manifesté la colère pour changer les choses. To change things. Donc, pour leçon, so, nous devons comprendre qu'il y a une colère that there is an anger qui arrive that dans certaines situations. In some situations, et cette colère, c'est Dieu lui-même anger, God qui nous pousse à la manifester. Push us to manifest it. Et cette colère a pour but this anger de résoudre un problème précis dans la maison de Dieu. Problem in God's house. Cette colère this est la sainte colère de this, Dieu this anger is the holy anger qui vient God, d'abord pour détruire that come first to destroy, et pour reconstruire, and to build pour again, détruire to destroy, et pour rebâtir, and to build pour again, anéantir to destroy, et pour renaître. And to et c'est cette colère que Jésus anger, avait manifestée dans Jesus le temple. Plusieurs voyaient comme si c'était many de l'agressivité. Like, les disciples aussi voyaient comme si il était animé d'un esprit impur. Mais finalement, quand ils ont vu la manière dont il a agi et de la correction qu'il avait apportée, ils ont su que la maison de Dieu était une maison de prière. Et c'est à cause de cela qu'ils ont conclu en disant, le zèle de ta maison me dévore. Face à cela, à l'attitude de Jésus, tous les croyants, tous les enfants de Dieu doivent être fiers lorsqu'ils se laissent dévorer par le zèle de la maison de Dieu et doivent manifester ce feu qui brûle en eux, le feu de ce zèle qu'ils ont reçu. Ils doivent laisser ce feu brûler afin que la maison de Dieu for God's house, soit toujours be always, en bon état, be in good afin que la maison de Dieu reste toujours solide et debout. Stay solid and stand. C'est lorsque it is le sommeil sleeping come, le manque de veille lack of watch, et que la distraction discretion vient aussi comes also, que la porte s'ouvre that the gate opens, pour les trafiquants. For traders, ils viennent they come, et font ce qu'ils veulent, do what they want, ils ressortent, goes out, reviennent, come again, ressortent go out, et reviennent. And come again. Et avant que ceux qui dorment and ne se réveillent, those who were sleeping awake, l'ennemi avait déjà the enemy travaillé, has worked, avait déjà semé has sow, et avait déjà créé and le désordre has created total disorder. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tell your brother, je souhaite que le zèle de la maison du Seigneur te dévore. Zeal for God's house consume you. Je veux que le zèle de la I maison du Seigneur te dévore. Consume you. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Clap Jesus. Qui veut être dévoré par ce feu? He want to be consumed by that fire. Alléluia. Amen. Maintenant, now, il s'agit réellement de quelle maison? Parce qu'on nous dit le zèle de ta maison me dévore. To what house is it about? Nous avons vu le rôle de ce zèle. We saw the role of that zeal. Et comment ce zèle and nous dévore et doit zeal nous dévorer? Consume us and should consume us. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle est cette maison? Now what is that house? Alléluia. Amen. Il s'agit ici. It is about here. Excusez-moi d'abord. Excuse me first, je veux que vous me lisez le livre de Romains 12, 11. The book of Romans, c'est très important. Verse 11, very important. Pour le zèle. Et for après, zeal, nous allons revenir sur la maison de l'Éternel. On the house of the Lord. Romains 12. À partir de verset 11, je lis au nom de Jésus. Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Oui. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Have zeal, not laziness. Soyez fervents d'esprit. Be fervent by spirit. Et servez le Seigneur. And serve the Lord.
C'est la définition, it is a definition même du zèle. Of a zeal. Soyez fervents d'esprit. By spirit. Servez le Seigneur. Serving the Lord. Ce zèle nous pousse à servir dans quelque chose. À faire quelque chose to do something pour le Seigneur. For the Lord. Alléluia. Il s'agit de quelle maison? It is about which house? D'abord, nous devons savoir we should first know que that qu'il y a deux maisons. There are two houses. Quand nous lisons bien when we really, dans Jean 2, we well read in John 2 et nous voyons la réaction and de we Jésus saw reaction of Jesus, qui se réfère d'abord who make reference à ce que les prophètes avaient dit avant lui au sujet de la maison de Dieu, au sujet du temple de Dieu, là où il dit que ma maison est une maison de prière, et que nous voyons aussi là où il dit détruisez le temple, détruisez cette maison, et en trois jours je le relèverai. Nous comprenons qu'il parle maintenant aussi d'une autre maison also about another house qu'il va bâtir he will build parce qu'il va détruire he will destroy la première the first one et bâtir une autre and build another. Il va renverser he will reverse le premier fondement the first foundation et faire un autre fondement, poser un autre fondement. Another foundation. Donc, je veux que nous lisons le verset d'Hébreux 3, le verset 4. Of Hebrews 3, verse 4. On va un peu plus vite. Let's go Hébreux 3, le verset 4. Hébreux 3, le verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Lisez-moi aussi le verset 5. Read also verse 5. Pour Moïse. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Alléluia. Et sa maison, c'est nous. Oui. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Amen. Nous voyons ici deux ici maisons. Here two houses. Et ces deux maisons ont and été construites par Dieu lui-même. Built by God himself. La maison the house qui a été conduite par Moïse that was est la première. Moses was the first et Moïse a été établi and serviteur was du premier tabernacle de Dieu. The first temple of God. Et nous voyons la deuxième maison and we see the second house qui a été conduite par that Jésus was directed by Jesus. Et qui a été faite par Jésus. And that was done by et Jesus. C'est pourquoi l'Écriture dit what scripture tell us que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu as servant in all God's house. Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Of what should be announced. Et, mais Christ l'est comme fils Christ is like sur sa maison. On his house. Et sa maison, and his house c'est nous. Is pourvu with que us. Nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Quand on voit directement maison, when we see house, on se demande de quoi on parle en réalité. Asking what is it, voilà qu'on dit Moïse a été fidèle sur toute la maison de Dieu. Moses was faithful in et on dit aussi God's que house. Jésus a été fidèle and also Jesus was faithful dans la maison de Dieu. In God's house. Et il a été établi comme he étant fils as son de cette maison, of héritier this house, de cette maison. The one who inherits the là, house. On comprend qu'il y a deux we grandes maisons that there are two big houses que Dieu avait prévues pour l'humanité. For humanity. Et la première maison, the first house, il a construite lorsqu'il avait built it donné des instructions divines divine à Moïse to Moses, en lui demandant de construire un tabernacle temple, et de former le temple, and to form the temple et les éléments du temple, and elements of the les temple, éléments du culte. Elements of the cult. Et après cela, after that, il annonce maintenant he announced l'ouverture d'un nouveau the temple, opening of another d'une temple, nouvelle maison. Of another house. Alléluia. Amen. Donc nous avons l'édifice so we have ou la maison
de Moïse of the house of Moses et la maison de Jésus-Christ. Of Jesus Christ. Le premier temple, the first temple était physique. Was physical. La première maison the first house était physique. Was physical. Mais la deuxième maison the second one est un édifice is a building, spirituel spiritual building, que Dieu lui-même that God himself a fait. Do. Que Dieu lui-même a God formé. Himself formed. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces deux maisons so these two houses représentent represent le temps the temple de la loi the time jusqu'au temps of law de la grâce till the time of grace. Et le temps de la loi and the time of grace c'est la première maison was the first house. Qui n'était que ce qui devait that être fait was not that ce qui devait être annoncé be. That it should be mais que Dieu avait construit built et avait rendu visible, and make it visible juste pour annoncer ce qui vient just to announce what is et coming, qui ne sera plus visible, and that won't be visible mais qui sera spirituel. That will be spiritual. Parce qu'il est écrit que because ce qui est physique, ce qui est chanel vient premièrement, fresh, mais ce qui est spirituel, spiritual vient après come after. Pour confirmer ce qui est physique, ce qui est Chanel. Et ce qui est Chanel est la représentation physique de ce qui est spirituel et qui devrait être. Et Dieu avait construit cette première maison parce que le peuple d'Israël n'avait pas encore cette maturité de Dieu, ne connaissait encore rien de Dieu. Alors il faut que Dieu établisse les choses so de God cette manière like pour that, permettre à son peuple to permit his people de voir de ses yeux to see with his la eyes représentation du temple spirituel temple qui est au ciel that is in heaven, mais qu'il va ramener and that he will bring sur la terre. On the earth. Alléluia. Amen. Et ce temple, and this simple, cette nouvelle maison, this new house c'est Jésus-Christ lui-même. Jesus Christ himself. Cette nouvelle maison, this new house c'est Christ lui-même. Is Christ himself. Et c'est pourquoi l'Écriture dit this ici the scripture says, que sa maison that his house, sur laquelle il est fils, on which his son, c'est nous. Is us. D'où le corps de Christ. As Jesus body. Cette maison, this c'est nous. House is us. Puisqu'il est en nous, as he is in us, et nous sommes en and lui. We are in him. Et vous devez savoir and you should know que le Seigneur lui-même, that the Lord himself, quand il est venu, when he came, il est venu dans une période. He came in a period. C'était la période de la fin de la loi. It is a period of the et the end pendant of the law, cette période, and during this period, il a aussi attesté also la loi, confirmé la loi, testify, confirm parce qu'il the ne law, devait pas briser totalement la loi. He should not break totally the law. Et il l'avait fait and he did it. Parce qu'il devait rétablir because également la loi establish the law et apporter again quelque chose and bring de nouveau some new thing pour restaurer l'image de la maison to de Dieu. The image of God's house. Nous allons retourner dans ce passage. We're going to return in this passage. De Jean 2. Of John chapter 2. Alléluia, Jean 2. John chapter 2. Voilà. Là où il dit, Jean 2, verset 19. Verse 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Destroy this temple. Et en trois jours, and in three days, je le relèverai. I will raise it. Au moment où Jésus était when en train Jesus de dire saying, détruisez ce temple, destroy this temple, il représentait le temple physique he was representing the physical temple, qui était aussi à l'image that was de at la the loi pattern of the law, qui était aussi à l'image des préceptes sans chanel qui était physique flesh, et il était en train de dire détruisez ce temple he was saying, destroy et this en temple, trois jours seulement and in three days, je le rebâtirai. I will raise it. Je le reconstruirai. I will raise it again. Donc Christ a d'abord porté so Christ first, le corps de l'humiliation, the body of humiliation, le corps de l'imperfection, the body of imperfection, le corps de la corruption, the body le corps of de la destruction, corruption, the body of destruction, qui doit être détruit that should be destroyed d'abord first, et qui doit être reconstruit and that should à nouveau. Be built again. Donc les pharisiens, les sacrificateurs so ne comprenaient rien.
understood parce qu'il employait un langage spirituel qui montrait que le Christ doit mourir et il doit revenir et qui montrait également que le temple de Dieu doit être détruit et rebâti. Alléluia. Amen. Lisez-moi Éphésiens 2, 21. Éphésiens 2, 21. Éphésiens 2, le verset 21. Oui. En lui, tout l'édifice, oui, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. Il dit, en lui, in tout l'édifice, the whole building bien coordonné, is joined s'élève together and pour être un temple saint dans le Seigneur. Holy temple in the Lord. De même qu'il y avait un ancien édifice, as an voilà, il y a un autre building, édifice. There is a new building. C'est un édifice spirituel. Spiritual building. En lui, vous êtes aussi édifié. In him, you are also edified. Pour être une habitation de Dieu to en esprit. A dwelling in spirit. C'est-à-dire lui. In him, il a été le modèle parfait. Him, he was the perfect pattern. Il a été l'image du vrai temple. He was the image of a good temple. Et si nous devons lui and ressembler, if we should resemble nous him, devons aussi être we le vrai also temple. Be the true temple. Et il fera de chacun and de nous will make each of us le vrai temple, the true temple qui est spirituel that is spiritual et que, qui devait être annoncé and that should be announced et qu'il a porté lui-même. And he bear himself. Il fera de nous he will make us ce nouveau temple. This new temple. C'est pourquoi nous avons été aussi édifiés we sur were lui. Also built on him. C'est un bâtiment qui a de fondement. It is a building that has foundation. C'est un bâtiment qui doit être édifié. It is a building that should be built. Donc si nous avons été so édifiés if we were built sur le fondement des apôtres, the foundation of des the prophètes, apostles, donc Christ en est lui-même la pierre angulaire. Cela montre qu'il est en train de nous former so et faire de nous un temple, temple, sa maison, his house, où il va habiter pour toujours. He will dwell forever. Là, dans cette maison, that les voleurs ne peuvent plus venir. House, thief cannot ça come. Sera la maison spirituelle the de Dieu. House of God. Une maison sécurisée. A secure house où les voleurs ne viendront plus, where où les trafiquants ne viendront plus, come. Trader will not come. Où les changeurs de maison ne where viendront plus, exchanging parce qu'elle come. N'est plus because physique, it's not physical, mais elle est spirituelle. But it is spiritual. Donc cette maison so this house aura désormais des outrages will spirituels. Have spiritual insulting. Cette maison fera désormais face à des combats spirituels battle, et non Chanel. Not flesh. Cette maison this house sera désormais will be answered, aura plutôt désormais en son sein have in his midst, des changeurs de monnaie, money des vendeurs de brebis sheep traders, qui ne sont pas physiques who are not physical, ou qui ne sont pas des hommes or who are not men, mais qui sont aussi des esprits but they are also spirits, parce que la dimension a changé because the level has changed. Donc ce que Jésus avait fait dans le so temps what Jesus did at the time était en train d'annoncer was to announce ce qui arrive what will arrive. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un va se demander. Now somebody can ask himself, mais pourquoi tout ça dans le temple? Why all this in the temple? Pourquoi toutes ces choses sont arrivées dans why le temple? All those things arrived in the et temple? Pourquoi dans la présence de Jésus and why même, in the presence of Jesus pendant himself, que Jésus était sur la terre, when Jesus was in the earth, il a permis que ces choses arrivent he permitted those things to arrive jusqu'à ce point at that avant level, de manifester la before colère. Manifested the anger. Vous devez savoir ceci. You should know this. Dieu lui-même God avait permis ce désordre. Permitted this disorder. Il avait laissé faire he let that le désordre dans le temple take place pour sa destruction. For its destruction. Ce qui était arrivé what arrived était comme une image was like a pattern ou était comme un élément, un prétexte. An element sur quoi le Seigneur va se baser the Lord will base pour annoncer la destruction et la chute du temple. And the failure of the temple. Voilà le temple de Jérusalem. This is temple of Jerusalem. Tu as abandonné les voies de l'Éternel. Abandoned ways of the Lord. Et tu as laissé la place and you let place
au changeur de monnaie, tu as laissé la place au vendeur de brebis et tu as laissé la maison du Seigneur dans l'impureté. Alors tu seras jugé. Alors tu seras condamné. Alors tes maisons seront dans les ruines. Donc toutes ces choses, Dieu l'a permis lui-même pour d'abord détruire la maison. Pourquoi? Si Dieu ne l'avait pas permis et que tout allait bien, and everything went well, la maison, the house, sera toujours là, will be, et ce ne sera plus la maison de l'Éternel. And that won't be the place of arrivé the Lord. À un moment, la gloire de l'Éternel va quitter, the glory of the Lord will be removed, et cette maison sera livrée totalement house au trafic, au commerce, au vol, et à toutes sortes de manipulations, and to all au désordre total. Total disorder. Et finalement, l'Éternel ne pourra plus récupérer sa maison. Take back his house. C'est pourquoi il permet le désordre. He permitted disorder. Il se base sur ce désordre. Based on this disorder. Pour détruire la maison. To destroy the house. Parce que s'il n'y a rien, because if there's nothing, il ne peut pas corriger. He cannot correct. S'il faut quelque chose, it should be something. Pour corriger, to correct, il faut une erreur. It should be a mistake. Pour qu'il y ait une correction. For it donc Dieu lui-même avait laissé ces choses. So God himself et maintenant those l'intervention things de Jésus God intervention viendra maintenant pour Jesus faire quoi? Intervention comes pour mettre de l'ordre. To put order, pour rétablir de l'ordre. To establish order again. Alléluia. Amen. C'est, ça donne une that image, an image d'un passage dans le livre de Ésaïe 42 qui dit que lorsque said, le Fils de Dieu viendra, when Son of God will come, il ne brisera pas le roseau cassé. He won't break et n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. But he won't switch off ce roseau cassé, weak, Dieu lui-même this est l'auteur. Baton, et la mèche qui brûle, offer, Dieu lui-même and est l'auteur. Weak, mais lorsque le Fils vient, is the offer. Il ne portera pas when un jugement. Come, mais il va laisser le peuple lui-même s'entraîner un jugement. To give et c'est maintenant qu'il viendra corriger. Pourquoi? Come to correct. Parce que Dieu a parlé God spoke à plusieurs reprises. Many times. Mais en ce moment, but in this de moment, turbulence ou de distraction, of this distraction, le peuple ne comprenait rien. People understood nothing. Et en ce moment de distraction, de sommeil, de turbulence, la voix slumbering, de Dieu n'était pas une voix audible. Was not la voix de Dieu God était silencieuse. Was silent. Qui pouvait entendre cette voix? Who can hear that voice? Et pour l'obéir? To obey it. Parce que la voix de Dieu est silencieuse. Because God's voice is silent, et que personne n'entendait la voix. No one hear not the voice, Dieu lui-même sème le désordre God au milieu d'eux. Pour détruire le reste. To destroy the remaining, et rebâtir à build nouveau. Again. Et ça a été une coutume. And that was dans la manière de diriger de Dieu lui-même. Of God to direct dans l'Antiquité. Il avait détruit the le monde au temps de Noé. The world in Noah's time. Et quand il l'a fait, when he did it, il a rebâti. He built it again. Au temps de Lot, in the time il a fait of la Lot, même chose pour Sodome et Gomorre. He did the same thing for Sodom and il a détruit toute la ville he destroyed à all the cause de l'infidélité of et aussi de la méchanceté des hommes en ce temps. Of men at the time. Et quand il est venu lui-même, when he come himself, en voyant ces choses s'établir dans son église, in his house, il s'est décidé lui-même he de détruire to destroy, et de rebâtir. And to build again. Cette voix silencieuse de Dieu silent voice of God parle par les événements. Speaks through events. Cette voix silencieuse de Dieu silent voice n'a pas of besoin God de parler directement. Need not to speak directly. Parce que Dieu ne parle pas because dans le God désordre. Speak not in disorder. Il ne parle pas lorsqu'il y a he le désordre. Not where there is disorder. Quand il parle when he speaks et que l'homme ne veut pas écouter, and man want not to hear, il laisse le silence. He let silence. Et sa voix silencieuse and his silent voice enseigne mieux teach que more la voix audible. Than the louder voice. Et le but de la voix silencieuse, and the goal of the c'est de pousser voice l'homme
is to prove the man conscience to take conscience et à se relever lui-même. And to raise himself. Mais l'histoire nous démontre que l'homme ne comprend pas toujours la voix de Dieu. Man never understands et ne comprend pas toujours l'enseignement que Dieu a derrière. Understand teaching God has behind. Cette voix silencieuse. Et ces événements qui arrivent. C'est pourquoi Dieu lui-même se voit encore dans l'obligation de régler le problème. Maintenant par la colère ou par plusieurs autres moyens pour pouvoir changer les choses et remettre les choses à leur place ou sur de nouveaux fondements, sur de nouvelles places. Alléluia. Amen. C'est ce qui était arrivé it en is Israël, happened in Israel, à Jérusalem. At Jerusalem. Nous allons expliquer aussi we will explain also quelques expressions comme some fouet expression like whip, qui se retrouvent dans le passage. In the passage. Fouet, whip, vendeur de bœufs, stealer, brebis, seller of cattle, et of aussi whips, and also vendeur de seller of de pigeons. Doves. Nous avons déjà expliqué la maison we explained qui est le the temple. House, that is the temple. Voilà. Le fouet représente quoi? We represent what? Le fouet représente d'abord we la parole de Dieu. First the word of God. Et la parole de Dieu, and the word of c'est God l'autorité spirituelle the spiritual authority de Dieu dans son église. Of God in his church. La parole de Dieu, the word of God, c'est aussi l'autorité dans sa doctrine, doctrine, dans ses lois, in his laws, l'a déposé dans son église. Put in his church. Hébreux 4, 12 nous dit 4, verse 12 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui divise l'âme et l'esprit. Soul and spirit. Et le rôle de cette parole, c'est de révéler les pensées du cœur de l'homme. Quand les pensées du cœur sont révélées, alors l'homme se soumet à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Lisez-moi s'il vous plaît, Psaume 94, verset 12. Psalm 94, verse 18. Psaume 94, verset 12. Psalm 94, verse 12. Psaume 94, verset 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Heureux l'homme que tu châties, the one you ô Éternel, et que Lord, tu instruis par ta loi. Teach through your law. Donc il châtie so he beats, par sa loi. He discipline with his il law. Châtie par sa parole. He discipline with his word. C'est pourquoi la verge reason why the et les cordes and cause représente represent l'autorité the authority de la parole parce qu'on parle d'un fouet. Because we're talking about a whip. Et le rôle de ce fouet and the role of that whip, comme je l'avais déjà dit as I said, est de restaurer l'autorité restore the authority de Dieu dans of son God église in his church, l'autorité de Jésus-Christ the authority of Jesus dans son église in his church, pour confondre maintenant to give confusion les semeurs de troubles, to those who see trouble, ceux qui dispensent des hérésies, those who tell wrong things, et pour chasser, and also to chase, mettre en déroute les ravisseurs qui s'introduisent dans le temple. The temple. Alléluia. Amen. La verge vient pour corriger toutes ces choses. Come to correct all those things. Et cela s'est produit that product, même avant. Even at last, avant cela, before that, cela s'est produit à plusieurs reprises, in many times, dans plusieurs autres passages. In many other passages. Quand Jésus enseignait, when Jesus was teaching, quand il prêchait, when he was quand les pharisiens l'écoutent, when Pharisees listened to him, plusieurs se posent une question. Many ask themselves questions. D'où lui vient cette autorité? Where this authority comes to d'où him? Lui vient cette puissance? Where this power comes et avec to quelle him? Autorité il parle and celui-là? Which authority he is speaking like that? Sa doctrine nous frappe. Est-ce que vous his pouvez doctrine, me lire? Luc 4, 32. Look for verse 32. Allez-y un peu plus vite. Go Luc 4, 32. Okay. Luc 4, le verset 32. On était frappé de sa doctrine. Oui. Car il parlait avec autorité. On était frappé de sa doctrine. They were amazed at his teaching.
car il parle avec autorité. Dans d'autres passages, il est dit, il parle comme ayant autorité. La doctrine du Seigneur aussi frappe. Et ce n'est pas cette doctrine qu'il avait frappée. Donc quand le mal arrive à un niveau, the wicked arrive at a level in the church, et que cela est introduit par de fausses doctrines. Introduced by parce false que d'abord, doctrine, toute division qui arrive aujourd'hui dans le corps de Christ, come in the body of Christ viennent par les courants de pensée qui naissent, les sectes qui naissent, les divisions qui naissent, division, les nouvelles doctrines qui apparaissent, new doctrine that appear, et l'autorité and the authority qui vient corriger cela, that come to correct c'est le this, fouet. Is the whip. Que Dieu lui-même va appliquer. Will apply. Et quand ce fouet descend, when that whip il frappe down, là où il doit frapper. It whipped tout le monde se range. At the good place. And everybody et arranges c'est himself. Pourquoi ils ont dit reason why sa doctrine written, nous frappe. His doctrine amazes us. Lisez-moi Marc 1, 27 aussi. Mark 1, verse il y a l'autorité de la parole dans le fouet, mais il y a aussi une autre autorité que nous allons voir dans Marc 1, 27. Marc 1, le verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandèrent les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Oui. Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs. Oui. Et ils lui obéissent. Et ils lui obéissent. And they obey him. Quelle nouvelle doctrine? What an quelle autorité? What il commande même aux esprits impurs. To et ils lui obéissent. Spirit, they obey him. Cela voudra dire que l'autorité, this means the authority, d'abord, first, par la doctrine, règle doctrine, son problème, solve mais problem, aussi règle le problème spirituel. Solve the spiritual problem. Donc, par ce fouet, so by this week, le Seigneur viendra non seulement will come not only pour mettre to put, ou remettre les fondements to put again foundations, et maintenant chasser and now to chase les mauvais esprits bad spirits de son Église. From his church. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus avait fait. It is what et cela Jesus se traduisait did, and par ce qui va arriver à l'Église by what will happen to the church et à la maison spirituelle. And to a spiritual parce house. Que tout ce qu'il faisait, because all he was doing, il le faisait juste he was doing it parce qu'il allait le faire because he should do it pour nous montrer ce qui va se passer. What will happen. Montrer à ceux de l'époque to those at that et aussi nous, en lisant and les Écritures, also to us, que c'est ce qui devait arriver pour les temps qui arrivent et pour l'Église, pour la maison spirituelle. Mais ces choses sont physiques pour vous maintenant. Or, ces réalités, ce sont ceux qui appartiennent à la maison spirituelle qui vont les vivre. Donc, ce soir, le Seigneur va venir avec le fouet. Et le rôle de son fouet, c'est de frapper par sa doctrine. Les fausses doctrines dans son Église et aussi frapper les esprits impurs qu'il va chasser de son temple. That he will chase from his temple. Alléluia. Amen. Quand nous prenons le fouet, when we take a whip, il est bien écrit que le it fouet is est fait à cordes. The whip is wound with cords. Et le fouet a forcément une tige and the whip has et a handle, des branches and branches qui représente les cordes. That represent cords. La tige ici the handle place peut être représentée can be represented par les ministères d'autorité dans l'Église ministry of authority ou les cinq church, ministères d'autorité que Dieu a établi dans l'Église. Ministry of authority et les cordes du fouet représentent and the cause of the whip represent les dons spirituels que Dieu a déposés dans God l'Église. Put in the church. Les vrais dons spirituels que Dieu a donnés à son Église. God gives to his church. Les membres, les autres membres du corps de Christ members of the corps qui ont reçu chacun who receive each une tâche, a work, un don a gift pour un service précis dans la maison du Seigneur. Work in God's house. Donc, par les ministères d'autorité, so through ministry of authority, le Seigneur the Lord va agir avec autorité will act with authority pour restaurer to restore la doctrine, the doctrine
Et par aussi la contribution des dons spirituels. By also contribution of spiritual gifts. Il va manifester sa puissance manifest his en power, révélant tout ce que l'ennemi est en train de comploter contre l'Église. Is plotting against donc the chacun de vous doit comprendre so each of you should understand qu'il est engagé dans ce combat. He is engaged in this battle. Parce que c'est un grand combat spirituel big spiritual qui nous concerne tous. That concern et c'est each pourquoi of au us. Début, j'ai rappelé que le zèle doit nous dévorer. Quand nous comprenons toutes ces choses, nous devons être animés d'un grand zèle. Si les disciples comprenaient toutes ces choses, ils allaient aussi manifester le même zèle que Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi le livre de Marc 4, Mark 35 4, à 41. Verse 35 j'ai parlé tout à 41, l'heure du silence, 41. Du désordre I spoke of qui silent arrive. Disorder. Marc 4, 35 Mark à 41. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, oui. Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvèrent. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. On dit, Jésus dit, Jesus passons says, à l'autre bout. Let's go to the other passons side. À l'autre bord. Let us go to the other allons side. De l'autre côté. Let us go sûrement, to the il y a side. Quelque chose là-bas. Certainly, there's something there. Il y a un autre combat à mener there's là-bas. Another battle to fight ou bien there. Il y a une gloire là-bas. Or there is a glory there. Maintenant, sur la voie, now on the way, ils étaient dans la barque. They were in the boat. Il se passe quelque chose. Something happened. Jésus était dans la barque. Jesus was in the boat. Tous les autres disciples étaient all aussi dans la même barque. Disciples were in the boat. Et la barque était sur la mer. And the boat was on the et sea. Le vent a commencé and à souffler. The wind started flowing. Un grand tourbillon s'éleva. A furious call came up. Et les flots se jetaient même and the waves dans la barque. Over the boat. Cela montre que that show le problème était déjà à un grand the problem, niveau. The problems où ils se voyaient déjà périr. In a big level, they seen themselves perishing. Malgré cela, Jésus se despite trouvait dans la barque. Jesus was in the boat. Et on dit au verset 38 que lui, verse il dormait. 38, he c'est was comme sleeping. Si le problème ne concernait like même pas Jésus. The problem concerned not Jesus. C'est comme si la tempête like that, qui était descendue, that fall, le vent qui s'est levé, the wind that le vent raised, qui soufflait, les the flots de la mer the waves qui envahissaient déjà la barque ne disaient rien à Jésus. Say nothing to Jesus. Or, quand on parle d'une barque, but when we talk about la barque est un peu légère. It's weak. La barque n'est pas solide, it is not solid. Comme les bateaux que nous avons, like les grands bateaux ships que nous avons aujourd'hui qui sont de grandes constructions. That are buildings. Donc une barque légère peut couler vite. A small boat can drown. Et en plus, la barque peut vite couler à cause du poids de ceux qui étaient dans cette barque. Because of the heaviness of et aussi les flots qui venaient créer le déséquilibre d'un côté and et d'un autre. Waves that come. Donc cela montrait réellement qu'il y avait, that il n'y avait so plus rien à faire. There's nothing to do again. Ils ont commencé à crier. They start crying. Seigneur, Maître, toi Lord, tu dors master, et nous sommes ici. You are sleeping and we are et c'est here. Ça j'appelais that le silence de Dieu. Silent of God. Ce silence this silence n'est pas
Ça, comme qu'il est faible ou qu'il ne veut pas like parler. He's weak or he want ou qu'il n'existe pas ou qu'il n'est pas présent not, ou même qu'il n'est pas là. Or he's not present. Quand Dieu veut te parler when plus, God le plus, to speak you more, il garde silence. He keep quiet. Et tu penses qu'il n'est plus and là. You think that he's not tu present. Penses qu'il s'est retiré. You think that he, mais en réalité, c'est but en ce in moment, reality, it is in this moment qu'il veut que toi-même, he wants yourself, tu essaies quelque chose. Try something. Il veut que toi-même, tu supportes. Il veut que toi-même, tu arrives à ce niveau où tu comprends que level, you il ne sera pas là toujours pour t'aider. Present always et c'est ce qu'il était en train d'enseigner à ses disciples pour faire quoi? Pour faire grandir leur foi. Mais la leçon que nous allons retenir ici et ce qui concerne beaucoup notre enseignement et notre moment de jeûne et prière, c'est que Jésus était dans la barque. Jesus was in the boat. Mais il y avait le vent qui soufflait. The wind that was flowing. Et Jésus qui faisait comme s'il and dormait. Jesus was looked like sleeping. Ou Jésus qui dormait. Or he's sleeping. Donc certains vont se demander. So some can ask, si Dieu est dans la barque. If God is in the boat, pourquoi ceci? Why this? Pourquoi cela? Why that? Si Dieu existe réellement. If God exists really, pourquoi le monde est dans cette condition? Why the world is in this condition? Si Dieu existe réellement. If God exists pourquoi really, y a ceci? Pourquoi y a cela? Why there is this or that? Si Jésus est réellement dans cette if église. Jesus really in this church, pourquoi y a des fausses prophéties? Why there is false prophecies? Et c'est là que je vais vous dire. And it is there, I will tell you, ceux qui n'arrivent pas à résoudre cette problématique arrive not to solve this problem, sont encore à l'étape primaire. They are still in the primary parce que state. Tout le monde because everybody doit avoir cette question en should lui. Have that question in him. Et c'est normal. It is quand normal. Le trouble arrive, when trouble comes, la première question qui vient, question c'est pourquoi cela? Why et ce that? Qui vient ensuite, and c'est la solution à cela. Solution mais celui that. Qui s'appuie seulement sur cette problématique pour dire que parce que ceci arrive, Dieu n'existe plus ou que God Dieu n'est plus là ou Dieu n'est pas présent parmi son peuple in his people, est en erreur. In et il ne comprend ni les Écritures ni la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que si power. Tu connaissais les Écritures you know et si tu connaissais comment and Dieu fonctionne God, ou la puissance de Dieu, God's power, tu sauras que you will know le silence de Dieu God's silence, ou le désordre dans son temple in his temple, n'est pas forcément synonyme de sa disparition du temple. Disappearing in the temple. Il y avait du désordre dans le temple. There was disorder in the temple. Mais la gloire de Dieu n'était pas totalement the partie. Glory of God was not si Dieu n'était plus là, empty. Jésus ne va if pas God se déranger present, à Jesus fouetter ceux qui le faisaient. With those who were acting like that. C'est comme j'ai un père qui a sa maison et mon père habite la maison. Pendant que mon père est sorti et qu'il doit revenir à la maison, des voleurs sont venus dans la maison. Est-ce que cela montre que la maison n'appartient plus au Seigneur ou que le Seigneur n'est plus dans la maison ou que le père n'est plus dans la maison? Non, cela veut juste dire that want to just tell il faut chasser les voleurs qui sont dans la maison. In the house. Et cela aussi, c'est une and leçon pour chacun de nous. To each of c'est us. Une leçon pour nous tous. It is a lesson to each of us. Donc finalement, Jésus s'est levé et il a so fait quoi? Finally, Jesus raised, il a menacé le and vent. He treat the il a wind. Menacé la tempête. He treat the gale. Et il a dit, taisez-vous. He say, et en même temps, keep quiet. Le vent, la tempête, and les flots se moment, sont il y avait un calme stop. Total et du silence. And the silence. Donc ce que nous devons faire, so what we should do, lorsque nous remarquons ces choses, when we see those things, ce n'est pas de dire, it is not to voilà, say, il n'y a plus rien, no que thing, chacun se sauve, que chacun sauve himself, sa tête, save his head, ou fuyons et abandonnons or let's run away and abandon the work. Si tu fais ça, if you do that, tu ne connais pas la puissance you de Dieu. Know not God's power. Et ton ignorance, and your ignorance va te détruire toi-même sans que tu le saches. Without knowing. Alors qu'est-ce qui se fait, faire, so,
qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut implorer la grâce de Dieu et appeler le Seigneur du haut des cieux pour qu'il intervienne, pour que ce problème soit totalement réglé. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui à l'église. Le dimanche, nous avons eu un enseignement sur les sept églises d'Asie. Nous avons vu la condition de chaque église. Nous avons vu quand Jésus parle à ces églises, d'abord il dit mon église. C'est pourquoi il dit le message ou la lettre de Dieu à ces églises, aux églises. Ce sont encore des maisons de Dieu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ces maisons ont besoin juste de correction. C'est pourquoi il dit d'abord les bienfaits. Il dit ce que la maison, les gens de la maison ont bien fait. People of the house do well. Et après cela maintenant, il relève les imperfections ou les erreurs ou les fautes. Et maintenant, il leur demande de corriger. Ask them to correct it. Et s'ils ne corrigent pas, and if they correct not, il va appliquer une correction, he will apply correction comme ce qu'il avait fait dans le temple de Jérusalem pour les amener toujours à corriger. Them to correct. Et je vais vous dire quelque chose. And I will tell you something. Dieu n'abandonne jamais son héritage. God never abandoned his Dieu heritage. N'a pas pour volonté d'abandonner son peuple. To abandon his people. Il y a un passage dans la Bible there qui dit in Bible Dieu abandonne-t-il son peuple? Is God Dieu abandonne-t-il son héritage? Is God abandoned his heritage? C'est ce que Élie croyait, que Dieu avait abandonné son peuple. Elijah think that God abandoned Mais his il people. Lui dit je n'ai pas abandonné mon peuple. Je me suis encore réservé plusieurs 7000 personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal et qui vont relever le défi. Donc nous devons savoir que l'intention de Dieu dans ces choses, c'est de relever son peuple de la chute et de permettre à son peuple d'apprendre de cette situation et de grandir et de continuer encore. La faute, c'est quand on reste ou on essaie de rester dans les erreurs pour ne pas grandir. Et dans ce silence, où il y a le silence, le sommeil et la distraction dans le peuple, il parle dans le secret à ses serviteurs. He speak in secret to his servants. Il parle à ceux qu'il a désignés comme des surveillants du temple. He chose as a watcher of ou a temple. Les gardiens du temple. As keeper of a temple. Qui représentent l'autorité de la verge. The authority ou de of la tige. The pour maintenant régler ce in problème. Order to solve the problem. Alléluia. Amen. Que représente what represents les vendeurs de bœufs? The seller of cattle. D'abord, le bœuf, the cattle, a une nature, has a nature. Parmi les caractères among du bœuf, le bœuf a une nature de salir, the cattle, it has nature de polluer, to soil, de rendre impropre. Pollutes, to make unclean. Quand on amène un bœuf ici, when il va salir l'endroit, here, il va déféquer partout. It will il va déposer un mauvais gaz. Un gaz carbonique. Bad smell. Il va polluer son environnement. He will pollute his environment. Alors, les vendeurs de bœufs dans cette condition so those who were sont ceux-là qui promouvoient le péché dans l'église. Who promote sin ceux in the qui church. Promouvoient de faux those enseignements, qui dispensent de faux false enseignements teaching, ou encore also des choses qui vont salir tout le corps. Soil all the body. Donc le Seigneur, dans ce moment so de jeûne, the Lord, in this moment of fast, non seulement veut que not only want tu manifestes le zèle, manifest zeal, mais il veut aussi also want que you tu finisses avec le péché, finish with que sin, tu abandonnes le péché, that you stop sin, le péché qui est collé encore sin à toi that is close et qui to t'empêche you, de continuer la marche, prevent you qui to te retient et qui te recule en arrière, make you go tu dois ôter cela.
You should remove it. Parce que la maison est unique. Because le corps est unique. The body is unique. Et si tu souffres, and if you are suffering, tous les autres membres aussi vont souffrir. All those members will also suffer. Alors, pour garder la maison so dans la propreté, in cleaning, il faut aussi vivre une vie de sanctification. You should live a life of sanctification. Lorsque le bœuf défèque quelque part when ou rend impropre l'endroit, cattle make unclean a place, les mouches viennent en même temps. Flies come. Et ce qui se traduit par l'infiltration ou l'invasion des démons dans l'église à cause du péché. Les démons représentent les mouches. Devils represent flies. Alléluia. Amen. Les vendeurs de brebis. Stealer of sheep. Nous savons que les brebis we know that sheep représentent les fidèles de la maison de Dieu pour le Seigneur. Believers of God's house to the Lord. Les brebis représentent sheep represent ceux qui composent those la bergerie du who Seigneur. Compose the fold donc of les vendeurs de brebis fold of the Lord. Sont ceux-là qui trafiquent the seller of sheep are those who le peuple de Dieu. The people of God. Ceux-là qui those s'enrichissent sur le troupeau du Seigneur. Who make rich on the sheep et aussi of the Lord. Ceux-là and also those qui détruisent le peuple de Dieu. Who destroy people of God. Là, on va parler des loups ravisseurs we'll talk about qui sont des mercenaires en réalité destroyer wolves, qui ne veulent pas épargner le troupeau. Who want not to spare qui ne veulent pas épargner le peuple. Flock. Mais qui sont people, là pour détruire, détruire. Et quand on parle du pigeon, le pigeon représente quoi? La sainteté. Holiness. Et en ce moment, le pigeon, moment, dans un autre passage, il est mentionné colombe. Là où il y a pigeon ici, vous allez voir colombe ailleurs. Colombe ce qui montre l'image de la pureté, so l'image de la sainteté. Image of holiness. Et en lieu et place, in the place des vendeurs of sailor, de bœufs, of ceux cattle, qui dispensent la saleté, ceux qui sont là pour faire la saleté dans la maison de Dieu, in God's house, il y a aussi ceux-là also those qui veulent qu'il y ait la pureté, who want purity to take place. Ceux-là qui veulent promouvoir who la sainteté, to promote holiness. Ils défendent toujours la they sainteté de Dieu. Holiness of God. Ils défendent toujours they la vérité. Truth of God. Pendant qu'il y a ceux qui when défendent le mensonge. Those who defend lie. Et les deux sont ensemble. And both are together. Les deux semences sont ensemble. Both seed are together. La vérité et le mensonge. Truth and lie. Voilà qui ne doivent pas cohabiter ensemble. They cannot stay together. La lumière et les ténèbres ne light peuvent pas cohabiter ensemble. Stay together. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? So what should do? Il faut tout enlever. We should remove all. Et il faut maintenant rétablir ce qui avait été détruit. What were destroyed. Et cela ressemble and à cette parole look like this de Jean-Baptiste of John Baptist, dans Matthieu 3, là où il dit in Matthew 3, au sujet de Jésus, when lorsque Jésus vient, Jesus, venait pour être baptisé par lui, il dit quoi? Him, il vient avec son vent à la main, his il nettoiera son air he will clean his, et il amassera le blé he dans son grenier et va jeter la paille place, dans un feu qui ne s'éteint point. In a fire that never la paille sera sweet. Jetée et le blé the va rester. Seed will be thrown donc away, le Seigneur veut que son peuple stay. Vive so dans la sainteté. Live in la sainteté va rester. Holiness will mais stay, l'impureté but unpurity sera enlevée. Will be removed. Les deux ne doivent pas cohabiter both ensemble. Cannot stay mais together, les deux cohabitent ensemble. Both are together, et le jour du jugement, and the judgment Dieu day, vient enlever ces God choses. Come to remove mais those oh, things, à partir d'aujourd'hui, but from today, le jugement va commencer. Judgment will start par l'autorité du Seigneur Jésus lui-même. The authority of the Lord Jesus son himself. Jugement va commencer. His doom will start. Alléluia. Amen. Et plusieurs and many ont manifesté le zèle dans les Écritures. Zeal in scriptures. Nous avons l'exemple du roi d'Ézéchias. We have example of dans King Ezekiel, Ezekias, dans le livre de 2 Rois 18, book of 2 King 19, du verset 1 à 4, 18, verse 1 to 4. Ézéchias, lorsqu'il est Ezekias, venu sur le trône,
on the throne, le trône de son père David, the throne of his father David, il avait renversé he reversed les faux dieux, les hauts lieux dans le temple. God's high place in the temple. C'était toujours quelque chose à l'accoutumée. It was as c'est quelque chose qui existait toujours. A thing that existed since que Jésus doit corriger. That should correct. Et que les anciens ont corrigé. Ancien que nous aussi corrected. Nous devons corriger. We also, we si correct. Nous voulons que la maison de if Dieu reste toujours dans sa sainteté initiale. His initial holiness. Hier, l'orateur yesterday, nous a the sorti le verset de 1 Timothée 3, 15. Qui verse dit 15, who said que nous devons savoir nous conduire how to dans la maison de Dieu qui est la, house, puis et la colonne et l'appui de la sainteté. And the step of holiness. Alléluia. Amen. Et en plus de ça, Ézéchias avait détruit le serpent d'airain que Moïse avait placé. Iron serpent Moses placed. Au lieu que cela s'arrête là, le peuple a adopté comme étant une doctrine ou étant une loi perpétuelle. Adopted as a perpetual law. Dieu avait fait cela pour God guérir. To heal. Parce que la maladie est venue because par un serpent et la guérison viendra par un serpent. Serpent. De même que and le péché est venu par un homme, also. Le salut viendra par un homme. De même que le péché est venu par une femme, Dieu fera naître le sauveur du monde. C'était dans cette logique que le Seigneur avait agi. Mais le peuple acted, a adopté. Et cela concerne aussi plusieurs actes prophétiques que Dieu nous inspire aujourd'hui de faire dans certaines situations pour régler le problème. Et cela doit s'arrêter là. Mais beaucoup en font une doctrine et au fil du temps, cela devient de l'idolâtrie. Donc, Ézéchias avait détruit ce haut lieu. Nous avons le cas de Gédéon dans Juges 6 qui a détruit la statue de Dagon, le dieu de Baal. Alléluia. Nous avons vu Moïse qui n'a pas permis que le veau d'or soit adoré dans le désert et qui a exterminé tous ceux qui se sont levés dans la révolte contre lui. Donc toutes ces choses doivent nous apprendre, doivent nous enseigner. Alléluia. Amen. Maintenant, now, il y a certaines choses there are some things qui ont occasionné tout le désordre that bring all that ou qui ont favorisé tout le désordre. That favor the disorder. Au départ, j'ai dit que at Dieu a permis I said that God permitted le désordre. The disorder. Et souvent, Dieu permet. And mais ce n'est pas Dieu qui est l'auteur ou bien Dieu God qui a fait permits le désordre. It's God is not the author. Mais il approuve but he agree parce qu'il a l'intention de régler. He has intention to mais solve. Le désordre ne vient pas de Dieu. Disorder come not from Dieu God. N'a pas pour intention de semer God le désordre parmi son peuple. To sow disorder in his people. Maintenant, quelque chose a manqué au now, début. Something lacked at the beginning. Et ça a été, and ça a commencé depuis la tête, le sommet. Et c'est venu juste à la plante des pieds. And it come at the feet. C'est que les surveillants it is the watcher du temple, of the temple que Dieu a établi God established, n'ont pas totalement veillé. They totally not watch. C'est pourquoi au début j'ai parlé du silence why at the beginning I talked de about Dieu, silence of du God, sommeil sleeping, des surveillants, of des watcher, gardes ou of des sentinelles et maintenant de la distraction of dans le peuple. In the people. Le loup arrive, the wolf come, se déguise and dress, et au lieu que les bergers agissent, in spite, shepherd acts, ils laissent entrer le loup they let the wolf et le loup enter, séduit and the et détruit enter and destroy, et égare and, kill, et le désordre s'installe and disorder take place, et le peuple est dans la confusion. And people is in confusion. Donc, nous devons savoir
So we should que know l'erreur a été faite that the error was done depuis la base. Since the base. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, de and faire? What should be done? Il faut que le peuple the people, ainsi que ses conducteurs and his drivers, s'humilient devant Dieu. Humiliate before God. Recherche la face de Dieu and search God's face dans la repentance. In repentance, détruit destroy les hauts lieux qui se sont installés, les idoles qui se sont installées, les faussetés qui se sont installées, et ramener l'ordre dans la maison du Seigneur pour apaiser le cœur de Dieu. To make peace God's heart. Donc le zèle doit être déployé so zeal should be used pour que la maison de Dieu for God's house garde toujours sa dignité. Keep its value. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous it enseigne is what God teach us ce soir tonight. Par ce thème through this qui dit le zèle de ta maison entitled, zeal for your house me dévore. Consume me. Le zèle de ta maison zeal for your house me dévore. Consume me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre so what should we understand? Du début jusqu'à la fin from de cet enseignement to the end of this teaching, nous devons retenir une we seule leçon. Keep one lesson, une seule conclusion. One conclusion. Et cela doit nous apprendre. That should learn us. Parce que le peuple de Dieu because people of God a été dans la distraction. Was in distraction. L'ennemi est venu. The enemy came. Et si toi aussi tu and if yourself laisses la distraction te you gagner, distraction gain you, l'ennemi viendra en the toi. Enemy will come in you. Parce que tu es aussi le temple de Dieu. Because you are also temple of God. Donc chacun doit veiller. So each veillez sur son âme. On his veillez sur lui-même. Watch on himself. Parce qu'il représente la maison de Dieu. God's house. Et chacun doit savoir que Dieu l'a établi sur veillant sur sa propre maison. As watcher de même que Christ est chef de sa propre maison qui est son corps. Of his own tu es chef. That is his body. Et tu es surveillant. You are chief and you are watching de cette maison. Of this house. Dans le sens où tu dois la tenir. In the way you should keep dans la volonté parfaite de Dieu. The perfect will of God. La Bible nous dit. Bible told us. Dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Verse 19, vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu habite en vous. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors ne permets pas que Dieu te détruise avant que tu ne prennes conscience. Peut-être que ce sera trop tard. Peut-être que tu ne vas pas avoir la même grâce que Israël. Tu ne vas pas avoir la même grâce de salut. Peut-être que cette destruction cette colère de Dieu va te conduire dans le décor. God will drive you. Alors c'est maintenant que chacun doit savoir so now each will understand qu'il a une obligation, obligation et une responsabilité a responsibility de se tenir to keep dans la vérité in truth pour que sa maison for his house reste toujours solide. Stay solid. Et si la maison de chacun if each house est solide, is solid, alors la maison qui est so le corps entier that is the corpse, sera toujours will debout. Be always stand. Vous êtes les racines. You are the roots. Si les racines sont if bien établies en leur place, l'arbre va porter de bons fruits. Good fruits. Alléluia. Amen. Alléluia.